est surtout évitable si l'arbitre ne le siffle pas. Donc après, Christopher, il n'a peut-être pas le comportement. La première faute, c'est le rouge qui lui tient le maillot. Et après, bon... Alors j'ai des connaisseurs qui m'envoient des textos, ce sont des amis, ils sont peut-être partisans. Mais ils me disent tous qu'il n'y a pas péno, quoi. Donc moi, je n'ai pas vu les images encore. Voilà. C'est ainsi. Les arbitres sont bons. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis cette semaine. D'autant que celui-ci, il est de mon club. Donc comme quoi, en plus d'être bon, il sait ce que c'est que la probité. Peut-être à l'excès, hein. Peut-être. Mais voilà, il est de Gaillard. Je l'ai vu tout petit débuter. Et voilà, ils ont fait leur match. Bon, ce qui m'ennuie, c'est qu'il faut que je me remette vite dans le bain, moi. C'est parce qu'en première mi-temps, j'ai pas insufflé ce que je voulais insuffler. Donc je le prends pour moi. Bon, ça fait 9 mois que je suis, ou 10 mois que je suis dans l'inactivité. Il faut vite que je me reprenne. Parce qu'à chaque fois qu'on tire, là, c'est des balles réelles. Donc, première mi-temps, pas bon dans l'impact, voilà, pas bon dans la réalisation technique. On avait l'impression que le ballon nous brûlait les pieds, même si tout n'était pas faux. Et puis, on prend un but où, comme tous les buts, bien sûr, ils sont évitables, mais bon, on prenait un but, on contrôle mal, on subit sur le côté un contre favorable, et puis on n'est pas à la réception du centre. Donc, malgré ce coup du sort, à la mi-temps, les joueurs, ça c'est important pour nous. Les joueurs, j'ai senti dans leur regard qu'ils avaient envie de mieux faire. Voilà. Et force est de constater, pour répondre à votre question, que, objectivement, nous pouvons nourrir des regrets. Ce que je viens de vous dire, en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement, presque simpliste dans mon comportement. J'ai dit aux joueurs que c'était de ma faute. Il fallait qu'on se replonge dans la deuxième mi-temps et que j'allais être plus inspiré. Donc j'aurais donné quelques correctifs qu'ils ont formidablement bien appliqués. On a marqué 2 buts. On a pris l'avantage et j'ai comme l'impression, même si c'est encore trop tôt, que de par les comportements, on trouve là, depuis 15 jours, un groupe. On fait des changements, les garçons qui rentrent s'investissent, à l'image de Valentin ce soir, qui est le seul à ne pas être rentré. Alors bien sûr, il est déçu de ne pas être rentré, c'est normal, c'est un footballeur professionnel, mais on sent qu'il prend sur lui et qu'il accompagne ses coéquipiers du mieux qu'il peut depuis le banc de touche et ensuite dans le vestiaire. Ça, ce sont des comportements qui, pour ma part, me réjouissent, même si la tâche est encore ardue. Je n'ai pas vu les résultats. Moi, tout ce que je sais, c'est que nous marquons 4 points en 2 matchs. Je ne suis pas en train de me poser la question si c'est suffisant. Je me dis simplement qu'il faut qu'on améliore encore nos contenus. Bon signe également, athlétiquement, il y a plus de répondance. Il y a plus de courses intermittentes, il y a plus de courses à haute intensité. Et j'ai vu des attaquants qui prenaient les espaces et la profondeur. Donc ça c'est bien. Que voulez-vous que je fasse? Que j'abdique? Donc moi, je vous réponds simplement, il y a 15 jours, nous en avions 7, nous avons livré 2 matchs, et il reste 21 points à disputer. Voilà, nous sommes en retard, nous sommes relégables. Mais personne ne peut aujourd'hui, avec certitude, vous comme moi, affirmer que le DFCO est en National ou en Ligue 2. Il faut simplement jouer les matchs et pour notre part nous améliorer, faire tourner le compteur. Espérer aussi, il faut le reconnaître, la réussite comme en fin de match, puisque en fin de match, eh bien, on considérait que après ce pénalty, je vais le revoir, mais il me reste un peu en travers de la gorge quand même, parce que même M. Landry a hésité de le siffler. Donc je reverrai les images, et puis s'il a bien fait de siffler, je reconnaîtrai. Ça n'en changera rien, les arbitres sont bons, ça ne changera rien, ils font des erreurs comme nous tous. Mika, quand il frappe la barre, je dis, on n'a pas de chance quand même. On a quelques situations, on doit enfoncer. 3-1, 4-1, on doit marquer après les deux 1. Et puis, QRM, qui s'est accroché, qui est revenu dans la partie, qui est une très bonne équipe, avec un très bon coach, qui vont continuer à poser les problèmes à beaucoup d'équipes. Eh bien, cette équipe, ces joueurs, ils ont failli nous marquer un but. Et je me dis que peut-être que la chance, elle nous a aussi servi sur la fin de match, il faut savoir le reconnaître.